Bonjour mes passionnés, c'est à nouveau moi. Je viens vous présenter aujourd'hui trois toiles que je viens de recevoir dans la boîte aux lettres. Et donc ce sont trois toiles avec des fils soyeux. Donc je vais commencer par ce paquet-là, parce que l'autre paquet, c'est vraiment la toile que j'adore par-dessus tout, que j'ai eu vraiment le gros coup de cœur. Donc, oups, pardon. Donc, on va commencer par ces deux petites toiles-ci. Voilà, donc je les ai trouvées très très jolies et je me suis dit qu'avec du fil soyeux, ça rendrait ben, splendide sur de la toile Aïda noire. Voilà, donc ce sont des toiles donc en 18 CT qui font 30 par 21 cm pour celle-ci et 30 par 24 cm pour celle-ci. Donc on va commencer par la numéro 1, The Key of Wisdom. Je suppose que ça veut dire, mais bon voilà. Donc, hop, on commence par celle-ci. Donc, je vous présente le dessin. Le patron, donc le haut du patron, non, le premier côté, pardon, et le deuxième côté. Donc, c'est une toile, je vous ai dit, qui fait donc 30 par 21 cm en 18 CT et en fil soyeux. Voilà, et elle comporte donc 11 couleurs et c'est que du full stitch, que des croix pleines. Voilà. Voilà, donc c'est un joli petit hibou sur une clé. Donc, je vous présente la toile. Donc, la toile est comme ceci, avec, comme vous pouvez le constater, donc une toile noire avec les côtés qui sont surjetés. Voilà, avec donc les deux aiguilles ici. Voilà. Et je vais vous présenter les fils qui sont magnifiques. Alors attendez, hop, parce qu'il y a un petit nœud. Oh, ils ont attaché les fils pour pas qu'ils bougent. Ils avaient attaché les fils avec ça, avec ce petit morceau de fil pour pas qu'ils s'enlèvent en fait. Donc, je vais vous présenter les cinq premières couleurs. Voici du noir, du doré, des rouges. Ensuite, les couleurs, les cinq prochaines couleurs. Voilà. Et la dernière couleur, donc du noir. Voilà. Donc, petite présentation rapide de cette toile-là. Ensuite, donc la deuxième toile, donc The Key of Wisdom 2. Donc là, c'est simplement une clé avec un cadenas. Donc toujours en fil soyeux, toujours en 18 CT. Et cette toile-là, comme je vous disais, fait 30 par 24 cm. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, mais derrière la présentation, il y a ben, les instructions pour les toiles. Oui, comme vous avez pu le constater, c'est des toiles en point compté. Hein, voilà. Donc, je vous présente le dessin, voilà, de cette toile. Donc, attendez, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer l'impression. Là, je vais monter plutôt avec le cœur. Pourquoi je ne peux pas faire plus? Bon. Alors, j'espère que vous verrez bien quand même. J'arrive pas à faire le focus, donc c'est pas grave. Donc, la première partie de la clé, la deuxième partie, et donc c'est une toile qui fait 12 couleurs et c'est uniquement du full stitch.
Et donc pour cette toile, elle fait 167 points par 123 points. L'autre est un peu plus petite, l'autre faisait 167 par 110 points. Je vous mettrai les informations dans la barre d'infos de toute façon. Voilà, la toile, les couleurs sont trop belles. La toile avec, donc surjetée, alors attendez, hop. Voilà, la toile surjetée, vous pouvez le constater, avec deux aiguilles. Hop. Et les couleurs, pareil, qui sont attachées avec un petit morceau de fil. C'est pas bête d'ailleurs. Je vais garder les petits morceaux de fil et je vais rattacher les fils avec. Donc, de la couleur 1 à la couleur 5. Voilà. Ensuite, de la couleur 6 à la couleur 10. Le bleu est splendide. Et de la couleur 11 à 12, donc ces deux bleus qui sont trop beaux. Donc ils sont bien tous les deux différents, hein. Celui-là plus foncé que celui-ci. Voilà. Alors, attendez. Je vais faire comme ils avaient fait, je vais rattacher les fils. Oups. Voilà. Hop. Et donc, je vais mettre de côté. Voilà. Et je vais vous présenter la toile coup de cœur. Donc, c'est une toile donc avec des fleurs de je sais pas quoi. Ou de cerisier ou de pêcher avec des petites hirondelles. Donc, voilà. Hop. Alors, donc on va déjà commencer par là. C'est une toile qui fait 170 par 170, qui a 21 couleurs en full stitch et une couleur en back stitch. Voilà. Et c'est une toile qui est en... Est-ce que c'est écrit dessus? Non. Non, c'est pas écrit dessus, donc je ne pourrais pas vous dire, mais voilà, c'est une, je vous montre la toile, voilà. Donc elle est, comme vous pouvez le constater, c'est une toile estampée. Alors, je vais vous présenter, il y avait un petit kit avec un, avec des ciseaux comme ça, dedans il y a... 6 ou 7 aiguilles, un enfil aiguille, voilà, un petit kit. Et au niveau de l'impression, ça m'a l'air pas mal. Ouais, voilà, ça a l'air pas mal imprimé. Désolée, mais là mon téléphone il veut pas faire le focus, ça m'embête un peu. Voilà. Voilà. Donc, en regardant, ça a l'air bien imprimé. Peut-être des symboles qui seront difficiles à voir, mais apparemment non. Non, voilà. Donc, là, vous avez la table des matières, la table avec les couleurs. Voilà. Voilà, donc une jolie petite toile avec des branches de fleurs et des petits oiseaux qui discutent ensemble. Voilà. Donc
je vous représente ce qu'il y avait dans ce kit, dans cet unboxing. Donc, hop, les trois kits. Voilà, les trois kits. Donc, les deux clés plus les petits oiseaux sur la branche. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, ah oui, j'ai oublié de vous présenter, excusez-moi. On revient en arrière, j'ai oublié de vous présenter les fils pour la toile estampée. Pour la toile estampée ici. Donc, de la couleur 1 à la couleur 18. Les couleurs sont splendides. Et les trois dernières couleurs, donc 19 à 21. Donc un marron, un rouge et un blanc. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est bon. oui, j'étais en train de vous dire, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Je vous oblige à rien. De mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !